On est parti, on continue. Donc rappelez-vous, on avait découvert le temple qui ne s'ouvrira qu'à la nuit tombée. Et le temple, y avait les trois divinités qui étaient présentées. Et donc on avait vu Vakarme, qui était cette divinité-là, et qui foutait dans notre tête des souvenirs qui n'étaient pas à nous. On avait aussi rencontré la doyenne, l'artiste, qui est le dieu dans le champ en fleurs. Donc on n'avait pas fini ça. Hop là, raté. Coucou Colline, comment tu vas? On n'avait pas fini ça. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fini? On n'avait pas fini le sentier du sanctuaire. On n'avait pas fini qui est la marée. Voilà, donc en fait on avait trois dieux. On avait Vakarme, le dieu du souvenir, Néant, le dieu du champ de fleurs, et marée. Et on avait à faire le sentier du sanctuaire. J'avais pas pris de photo. Ah si, voilà, quand même. Un son étrangement plaisant. Ah, c'était des glands qui tombaient sur un panneau. Ok. Alors, le sentier du sanctuaire. Oula, oula, oula. Échec. Échec. Mauvais bouton. Ça commence tout de suite par le mauvais bouton. Ouais. J'ai light tap, tout va bien. Ok. Ok, ok, ok. Salut Sorud, comment tu vas? Faror, Nairou et Din, les trois divinités. Bah, normalement c'est ça, ouais. J'ai toujours prié quand j'avais besoin de quelque chose. Mais maintenant, je veux seulement te remercier. Le calme que tu as offert au monde. Je chéris ce silence. Ah oui, on avait trouvé une prière, je crois. Ça va, je t'en remercie, Colline. Comme je le disais, fatigué, mais c'est parce que j'ai fait du sport. Quelle mauvaise idée aussi. Quelle mauvaise idée aussi, faire du sport. Ah, par contre, c'est pas trop de bruit. Monsieur, ça suffit. Hop, 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 hop. Pareil. Ce bruit-là, il est rigolo, mais on va le foutre là, je pense. Voilà. Ok. Jusqu'à ce qu'il rajoute Ilia, c'est sagouin. J'avoue. Oh là. Ah, elle a une animation rigolote quand elle est dans une pente. Donc du coup, j'avais envie de retourner voir. Néant. Du coup, pour tenter de faire un appel. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, ça se passe pas bien. Ok. Pour tenter de faire un appel au Néant et voir ce qui se passait. Et du coup, il restait une troisième divinité qui s'appelait Marée. Et on sait pas qui c'est. Donc il faudra qu'on inspecte Marée, quoi. Mais on avait commencé à remplir la page de journal de Marée. Ah, comment tu vas, Sorud, toi? Donc ouais, voilà, moralité de ma journée, finalement. Beaucoup de boulot et quelle idée à la con de faire du sport, finalement. Vraiment, quelle idée. Le sport, deux points, quelle idée, point d'interrogation. J'espère que c'est une divinité marrante, la Marée. Ok, j'avoue, c'était rigolo. Ah, Yazugi qui a ouvert la porte pour me juger et qui ne l'a pas refermée. Zugi, c'est terrible. Elle ouvre les portes et elle les referme pas. Donc là, j'ai un petit courant d'air qui vient chatouiller ma nuque. C'est extrêmement... Elle ouvre la porte et après, elle laisse semi-ouvert. Putain, mais ça me pète les burnes. Pardon, excusez-moi. Je suis fatigué ce soir, du coup, forcément, les trucs comme ça, ça me trigger. C'est terrible aussi, les viewers, je joue trop à Splatoon. Je sais pas si vous avez vu, mais là, j'étais assis en position Splatoon, c'est-à-dire que le dossier de ma chaise était éloigné de mon dos. Je sais pas si ça s'est vu un petit peu juste avant, là, mais j'étais en position Splatoon, j'étais comme ça sur ma chaise. C'est une position tabouret en fait, pour pouvoir avoir le dos droit et rester concentré. Et du coup, en ce moment, quand je m'assieds sur mes chaises, vu que je passe beaucoup de temps sur Splatoon, en ce moment, je ne m'assieds plus en position relaxée sur mes chaises. Donc là, je suis pas assis en position tranquille, je suis assis en position Splatoon. Alors que là, je viens de me rasseoir tranquille. Oui, et là, je m'apprête à passer une soirée détendue. Mais c'est terrible, j'étais assis en position Splatoon sur ma chaise. Je joue trop à Splatoon en ce moment. Ah. Heureusement, cette semaine, j'ai des Clip of the Week à monter, quoi. Alors, on va prier, du coup. Et on va voir le souvenir que ça va nous enlever. On va prier Néant. Néant. Regardez pas trop les viewers. Qu'est-ce que je vais perdre?
j'ai prié au Dieu de l'oubli. J'ai prié le néant pour qu'il s'empare de l'un de mes souvenirs. Il y a eu un moment d'hésitation entre mon talisman et le Dieu. Était-ce vraiment ce que je voulais? Si c'était le cas, mon talisman le laisserait faire. Je suis parti avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais ressentir la puissance de ce Dieu. Qu'est-ce qu'on fait, les viewers? Waouh! Qu'est-ce qu'on fait? Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on laisse le néant faire quelque chose? Zugi qui cause des courants d'air dans la nuit du streamer, c'est... Elle fait ça et puis après elle lâche un cœur et elle s'en va, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, les viewers? Je voulais ressentir la puissance de ce dieu. Waouh. Et du coup? Tout s'est passé comme ma mère me l'avait décrit. Lorsque le souvenir m'a quitté, il y a eu un moment où j'ai ressenti l'absence, mais le vide s'est comblé à nouveau. Je suis gênée de te dire ça, mais depuis cet instant passé devant la statue, j'ai oublié mon nom. Le néant me l'a arraché. J'ai essayé de me souvenir d'une fois où une personne disait mon nom. J'ai parcouru mon journal et je me suis rendu compte que je n'avais jamais écrit. Il a disparu à tout jamais. Nos esprits sont si fragiles. Oh, bonsoir Lysen, comment tu vas? Pour la suite, j'ai tenu fermement mon talisman. Waouh! Ok. C'est bien en vrai, c'est trop bien joué de la part des devs. Est-ce que je peux décider maintenant? Est-ce qu'oublier une partie de moi-même m'a rendu plus libre? En vrai, c'est hyper bien joué de la part des devs. Si je puis me permettre. Franchement, si je puis me permettre, c'est bien joué de la part des devs. Pourquoi? Parce que c'est une information qu'on n'avait pas, mais que le personnage connaît. Et là, on ne l'aura plus. Ça rentre vraiment trop bien dans la thématique de... je ne saurais... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça rentre trop bien dans la thématique de... J'ai vraiment oublié. Je ne sais pas comment expliquer. Ça colle vraiment, vraiment super bien. Vous voyez ce que je veux expliquer ou pas? Ou c'est trop débile? En tout cas, plus de nom. Oh, C'est bien exploité comme mécanique. C'est bien joué de leur part. Pouah, le mindfuck. T'es en mode comment est-ce qu'ils vont faire pour symboliser un truc qu'on va oublier? Comment est-ce qu'ils vont faire en sorte qu'on oublie un truc? Bah, tout simplement en faisant en sorte que ce soit une info capitale pour le personnage. Et que nous on ne l'ait juste jamais connu. C'est très bien joué. Bon, on en a plus besoin, elle le jette hein, du coup. Hein. Oh, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a aussi chié sur ce que notre mère avait fait pour nous? Elle a sacrifié 5 souvenirs hyper précieux. Et nous, bah, Nick, on a oublié notre nom. Juste pour le kiff. C'est horrible en vrai ce qu'on a fait. Mais du coup, je suis en train de partir dans la mauvaise direction là. Mauvaise erreur, je veux retourner au temple. Oh, c'est impressionnant la connerie qu'on a fait. Et en même temps, ça a tellement peu d'impact sur l'histoire, donc c'est très bien joué. Je sais pas comment dire, c'est... C'est très bien joué. Attendez, je suis en train de me planter là, non? Oula, mauvais bouton. Arrête-toi, check ton cahier. Non, c'est bien ça. Si je vais par la gauche, je vais trouver le parking.
Et si je continue, je vais trouver le temple. Donc c'est bon, c'est bien ça. T'inquiète, le nom c'est juste une construction sociale. C'est vrai, en réalité, elle peut s'en trouver un autre. Suis-je plus libre? Bien sûr. Si quelqu'un te rencontre et qui te dit comment tu t'appelles, tu peux lui dire je m'appelle Philibert, par exemple. Et cette personne n'aura pas le droit de te dire non, parce que tu lui auras pas menti. C'est quoi ce bruit? Putain, bah ça aurait été con de le rater celui-là. Ça aurait été con de le rater celui-là. Il est beau. Non, Un mais c'est morceau vrai que. joué par un trio de musiciens. Le métal, Oh, par contre, la celle-là, frise ça fait la et deuxième fois que tu musique. nous la sors, celle-là. Hein. Non, mais par contre, en vrai, c'est vrai que pour le coup, le nom, là où elle va, elle en a pas besoin, finalement. Allez, c'est parti des escaliers, là. Voilà, on s'en bat bien les couilles. Est-ce que. Oh! Oh, mais c'est la. Elle va jusqu'au Nirvana. C'est la statue qu'on a vue? Oh, c'est beau. Descends de là. Prends ton appareil. Sans tabac, non, t'as pas le droit de dire non. Cette statue évoque un certain calme, comme un abandon à la gravité, Est-ce que c'est lui, comme Marie? si elle tombait doucement. Elle a pris une note. Qui est la marée? Ah! Ah! Bah, hey! Et vous avez vu le mec? Il en a là-dedans, hein? Et du coup, qu'est-ce qu'on va trouver comme. Donc, ça va être là. J'imagine qu'on va trouver un sanctuaire à marée pas loin. Genre ici. Sentier du sanctuaire ajouté à la carte. Ah, bah voilà, c'était la dernière partie qui lui manquait. C'est parce que marée, c'est le dieu qui se marre. Putain. Bah voilà, je l'avais dit, le sanctuaire à marée est juste là. Je vais juste me dépêcher de tout marquer dans mon journal. Elle s'ouvrira à la nuit venue. Sentier du sanctuaire, je vais juste vite me dépêcher de marquer des trucs. J'ai pas beaucoup de choses sur le chemin du sanctuaire. Est-ce que j'essaye peut-être de prendre des photos avant d'appeler Marie? Je vais juste faire ça vite fait. Bout de papier. Alors. S'il te plaît, garde les soldats endormis pour toujours. Ah putain, c'est le dieu du. Mais attendez, mais c'est les trois maladies, ça! C'est les trois maladies? C'est. L'incapacité à oublier? C'est la maladie de l'oubli et c'est le sommeil, non? C'est pas les trois maladies de l'autre là? Du docteur Fumier? Je prie pour un sommeil sans rêve. Je veux me réveiller sans souci, sans les douloureux souvenirs de la mort. Quoi? Laisse-moi me reposer. J'entends l'électricité dans l'air. J'entends les ondes radio et les voitures au loin. Je t'en prie, laisse-moi me reposer. Oh, les électrosensibles! Ils en font toujours un truc! Laisse-moi me reposer, mon compteur Linky hurle en permanence! Eh bah oui, bah voilà, écoute, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne, les champs magnétiques. Est-ce qu'on le prend, lui, juste pour le kiff? Parce qu'en réalité. Non, je pense que je vais garder celui sur les soldats. Sommeil sans rêve, laisse-moi me reposer, garder les soldats endormis. Je pense qu'on va garder les soldats endormis. Ça. Ces billets sont des prières aux dieux pour le sommeil. Apparemment. Alors. Alors. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc il nous restera ce qui se passera quand on aura touché l'hôtel. Mais on va pas le faire tout de suite parce que. J'ai un peu peur de ce qui va se passer.
si on touche ça maintenant. J'ai un peu peur que ça termine le jeu. Vous voyez? Est-ce que je peux prendre une photo de ça aussi? Est-ce que ça compte? Il y a quelque chose de beau dans la façon dont ces cristaux canalisent la lumière. Ah, et puis j'ai bien pris la photo quand même aussi, hein, si je peux me permettre. Ok. Peut-être petit sentier du sanctuaire, cette photo-là. J'avoue qu'elle est pas, elle est pas incroyable, ma photo, en fait. J'ai menti. Elle est un peu sombre. C'est pas grave, il faudra s'y faire. Les mecs ils vont regarder le truc, ils vont être en mode « Alors, quel souvenir on a du monde ?» Bah, une photo floue et une mal éclairée. Ah. Nous avons les remèdes du docteur Fumio pour naviguer les aléas d'une vie d'être conscient. T'es... Ici, ils ont une religion. J'avais pas raison. La forme change, mais nos besoins restent les mêmes. Ah oui, donc non, en fait, les dieux, c'était des remèdes aux mots identifiés par le docteur Fumio. C'était quoi les trois mots? Je me souviens plus. Attendez, on va re-regarder les mots qu'avait identifié le docteur Fumio. Docteur Fumier, là, c'est où, là? Cette saison prendra fin, une lettre à l'avenir. Saison passée, le rêve de Pat. Cette saison prendra fin, papa, le musée de mémoire. Mais, village de car... Qui était le docteur Fumio? Alors, c'était là. Je peux pas zoomer? Si, afficher. Sickness, dreams... Dream, sickness, dream zone. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était le fait de tout le temps faire des rêves. La mauvaise perception du temps et l'excès de mémoire. Donc j'imagine que l'excès de mémoire, il est corrigé par néant. J'imagine que le dieu du sommeil marré sert à faire à trouver le repos. Et en quoi est-ce que le dieu qui donne des souvenirs permet de corriger la perception du temps? Je ne le sais pas encore. Peut-être qu'on aura la réponse à un moment. Mais j'avais juste un truc mal fait dans mon cahier. C'était là. Sentier du sanctuaire, il y avait un texte qui était passé sous une... Voilà. Merci. Des petits bugs de temps en temps, mon curseur qui disparaît, c'est un peu désagréable. Est-ce qu'on a des jolis trucs? Oui, on a des jolis trucs. Typiquement. On va le mettre plutôt là, lui. Lui, là. Et... ah, merde. Si, c'est bon. Un son apaisant. Ah, ah, oh, oh. Oups. Voilà. Ok. Je vais aussi rajouter du coup des petites décos de type les petits carillons. Voilà. Petit pompon là. Voilà. Parfait. Voilà. Et je vais rajouter une phrase inspirante à côté. Les choses seront oubliées dans le temps à moins que. À moins que quoi? À moins que? Pas de point. Pas de point de suspension. Ok. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que du coup, on va faire la prière à marée. Je pense que c'est la dernière page qui nous reste à avoir. Donc on va voir ce que ça donne. À moins que... Amen. Ouais, tout à fait. À moins que... C'est parti. Vous êtes prêts? Marée. Marée. J'ai prié pour te revoir. Quoi? Je ne croyais pas que ce serait un rêve. La vie écoute, puis elle fait ce qu'elle veut. Nous devons nous débrouiller, ma chérie. Cette saison a tant besoin de toi. Je n'ai pas cessé d'y penser. Et la saison qui suivra aura terriblement besoin de toi. Bah oui, on n'a plus de nom. J'aimerais pouvoir t'aider, mais ce n'est qu'un rêve éphémère. Qu'y a-t-il à dire? Thank you.
Ah putain. Je vais bien, ne t'en fais pas pour moi, d'accord ? Oh, c'est bien. Quel soulagement. Peut-être que j'oublierai ce rêve. Mais je vais essayer de m'accrocher à ce sentiment de soulagement. Essayer de le porter avec moi jusqu'à mon réveil. Est-ce que je te reverrai ? Je ne sais pas. Non, je peux pas, Lestin, je peux pas. Mais je sais que moi, je vais te revoir. Je devrais attendre si longtemps que je cesserai d'y croire. Je serai presque en paix avec l'idée de t'avoir perdu à tout jamais. Et puis... Oh... Et puis... Ça, la voix de la mère, elle est incroyable. Mon chagrin effacé en un instant. Lorsque je t'ai revu, j'ai pleuré et j'ai ri. J'ai... Un jour, toi aussi, tu auras un enfant. Un jour, il voudra visiter le village qui a vu naître sa mère. Et je serai encore ici. Je l'attendrai. Nous nous tiendrons côte à côte, comme ça. J'aurai des millions de questions à lui poser. Et il aura des millions de questions à me poser. Mais avant de parler, je plongerai mon regard dans le sien. Et c'est toi que j'y verrai. Prends soin de toi, ma chérie. L'heure est venue de te réveiller. Pas les enfants. Tout va bien, Jadar, tout va bien. Ah, c'est trop marrant. Ce Dieu m'a endormi. J'ai pu parler à ma mère. Le sommeil est une nuit dans l'ombre qui nous lie tous. Ça donne un cycle à nos journées. Une remise à zéro. Se souvenir et oublier en même temps. Tu t'es défilé, je reconnais, clairement. Messieurs et mesdemoiselles, pour moi, c'est Egap, douche et dodo. C'est quoi Egap ? Le dieu du sommeil nous donne une chance de revenir à zéro, de réfléchir et de faire la paix dans notre esprit. Étape douche et dodo, ok. Des bisous à toi, Sorut. Passe une bonne nuit. Passe une bonne nuit. Egap, c'est le correcteur qui merde. Mais qu'est-ce que c'est Egap ? Pourquoi est-ce que le correcteur, il a dit Egap ? Egap ! Bah non, ça veut rien dire. Enfin... Il s'est pris pour un personnage de... Pour un personnage de Hollow Knight, là ? Egap ! Odore ! Demande-lui. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'enrichisse les sons de... Tcha ! Il faut que j'enregistre les sons, il faut que j'enregistre les sons des follow. Faut au moins que je mette le du marchand de RE4. Mais si vous avez, hein, pour rappel, si vous avez des idées de marchands qui rigolent ou qui disent bonjour mais de manière sympa, je suis preneur hein, toujours hein, des sons de marchands de jeux vidéo évidemment. On a déjà le de Slay the Spire et le Oh ma voix bordel. Et le oh, j'arrive pas à le faire. J'ai la voix trop éclatée. De Thierry, faut que j'arrête d'essayer de le faire. Les follow c'est pas les rires de sitcom. J'ai changé, j'en avais marre. J'arrive pas du tout à faire Thierry, c'est horrible. J'ai la voix défoncée. Bon du coup c'est la nuit ou pas là hein bon, j'ai fait le vieux hibou là deux fois de suite là. Qui s'est niqué les cordes vocales. Alors opening hours, sunrise, night. Heure d'ouverture, lever du soleil, nuit. Ok. Elle soupira la nuit venue. Voilà, je l'ai eu, c'est bon. Je me suis beaucoup concentré là avant de... Alors. Sanctuaire de la vallée de Tienne. Histoire historique, réputée et désignée. Le sanctuaire de la vallée de Tienne est l'humble berceau de notre religion locale. La découverte des rituels de l'oubli et de l'érection de la première statue ont ouvert une nouvelle ère. La découverte des rituels de l'oubli et l'érection de la première statue ont ouvert une nouvelle ère. C'est pas les rituels de l'oubli et de l'érection. C'est bien ce qui me semblait, il y avait un problème dans ma phrase. Ont ouvert une nouvelle ère. Une ère de repos psychologique qui dure encore aujourd'hui. Cette plaque date de l'an 345. C'est impressionnant. Ça fait 600 ans que tout va bien. Je me demande s'ils abritent encore des moines.
C'est impressionnant, ouais. Le sanctuaire de Tieng a été construit en 345. Paf. Dessin. Voilà. J'ai envie d'enlever ça. Et de rajouter ça à la place. Et du coup, comment est-ce qu'on l'ouvre ? Celle-ci, elle est censée s'ouvrir à la nuit. Le problème, c'est qu'à minuit, ils font tout péter, là, c'est ça ? Où est-ce que je vais, maintenant ? J'ai exploré tout le journal. J'ai exploré tout le journal. Que fais-je ? J'ai une petite étoile au niveau de la vieille. Elle s'ouvrira à la nuit velue. Mais qu'est-ce que je fais ? Je dois attendre que la nuit tombe ? Il y a un certain nombre d'heures ou... Alors après, rappelez-vous, il fallait toujours appeler le 19 aussi. Oups là. Il fallait toujours appeler le 19. Pour proposer des noms de merde à la main grise. Genre les mecs qui... on pourrait proposer le devoir du souvenir, par exemple. Ce qui serait extrêmement ironique. Donc on va essayer d'aller trouver un téléphone. C'est trop bizarre ce... Cet truc qui retentit. Est-ce que le jeu a genre une durée de vie fixe ? Je vous reconnais. Mais c'est moi ? Vous êtes le célèbre docteur. Et c'est votre fils, celui qui a les visions. J'ai raison, n'est-ce pas ? Je n'aviserai à personne. Mais c'est moi ? Nous ne faisons que passer. J'ai une nièce qui... Elle entend des choses. Les voix des morts. Je ne peux pas vous aider. S'il vous plaît, prenez le temps d'y penser. Je ne peux soigner personne dans cette vallée. Ce n'est pas un endroit pour guérir. Où est-ce que je devrais aller ? J'y travaille. Au revoir. C'est surréaliste de trouver un morceau du passé du docteur Fumio si loin de Caro. Ça, il faut le marquer, ça. Faut l'ajouter, c'est trop intéressant ça. Voilà, ajouter là, ça va presque bien dans la fresque. Ça va presque bien dans la fresque, c'est trop intéressant. Du coup, je sais pas si j'ai dit bonne nuit à Surud, j'espère qu'il est pas parti avant que j'ai eu le temps de lui dire bonne nuit. Je sais plus si j'ai eu le temps de lui dire bonne nuit ou pas. Tu me l'as dit, ok. Bon bah j'ai pas honte de me répéter sur Utopia. Je suis pas encore parti. Tout va bien. Tout va bien. Oh, je suis d'une fatigue, messieurs dames. Pourquoi il y a une musique inquiétante là ? C'est gentil, ce que j'aime sur tes streams, c'est que tu penses à tes viewers. Ouais, je lis le chat quoi. Composé. C'était pas genre le 019 ? 0019 ? Vous êtes en onde. Ah yes. Quelle est votre idée de nom ?
Donnez-nous une idée de nom qui frappe. Qui frappe. Le poing dans ta gueule. Les mains grises, c'est parfait. Futur bienheureux. La force qui nous prend tout. Allez, bim. Hein? Allez, je bim. Je dois avouer que ça me fait peur. Bim, bim, bim. La force qui nous prend tout. J'allais dire que c'est un peu long. Ouais, vous êtes des gros bâtards surtout. C'est aussi un peu long. Vous êtes des gros bâtards. Je ne sais pas. J'ai un peu peur maintenant. Eh bien, merci de la suggestion. Mais va te faire foutre. Ça va, l'ami? Ça va, l'ami, mais comment ça, ça va, l'ami? Est-ce qu'on essaye les numéros qu'ils ont laissés? Genre 0... Il y avait 0025, je crois, pour appeler la vieille. Allons. Ils avaient marqué des chiffres pourtant sur la carte. Bah ouais, elle répond pas. La vieille, elle répond pas. S'ouvrira la nuit venue. Qu'est-ce qui... Comment est-ce qu'on déclenche la nuit? Parce que les alarmes nous font penser à un phénomène de temps qui passe quand même. On est d'accord? Les alarmes nous font penser au fait que le jeu a peut-être une durée de vie limitée, finalement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne à l'entrée de la vallée de Tieng? Est-ce qu'on s'en va? Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il y avait dans le temple. Ah, y a pas assez beau. Hein. Je suis allé par là-bas. Bah, je suis allé par là-bas. C'est où ça? Ah mais si, je suis déjà passé par ici, oui, en sortant de chez la vieille justement. J'ai... Oh putain. Ça aurait été très drôle qu'elle continue et qu'elle se casse la gueule là. Dans les quenouilles. Je sais pas ce qu'on est censé faire du coup maintenant là. Il n'y a pas l'air d'avoir de suite logique. Je vais aller voir la vieille, mais c'est tout ce que je peux faire quoi pour l'instant. Que me reste-t-il à faire ici? Je devrais aller saluer la veuve et son fils. C'est déjà fait. Ils ont une ferme là-bas. C'est déjà fait. Aux dernières nouvelles, elle se demandait encore quoi mettre dans ses valises. C'est déjà fait. Peux-tu m'en dire plus sur la vallée? J'aimerais tellement... Mais tu pourrais m'apporter la vallée ici. Oui. Tu pourrais me montrer. Je fouillerais mon esprit. Oui, oui, oui. À la recherche de trésors. Parle-moi de... La marée. Le plus puissant dieu d'entre tous. Le dieu du sommeil. Le sommeil. Là, tu as vu les quenouilles. Oublier en même temps. Jeter ce qui doit être mis aux ordures. Et chérir les souvenirs qui méritent d'être préservés. J'ai appris beaucoup plus de mes rêves que des livres. Que tu pries ou non, tu dormiras. Tu dormiras ou tu mourras. Cette religion, la vraie, ne saurait être plus claire. Waouh! Ah, c'est vrai que pour le coup, c'est... ça se vaut. Non, mais ça se vaut. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit elle qui faille apporter des choses. C'est impressionnant, en vrai. Comme mental. Comme mentalité, pardon.
J'essaie de réfléchir à ce que je, à ce qu'il me reste à faire là. Parce qu'à part attendre la nuit, Sophon, Koshi, Isel, Mathiora. Attends, c'est qui Isel? On l'a pas vu Isel. Il est censé être dans le coin du temple. Il ou elle? On l'a déjà vu parce que Sophon et Koshi, c'est la fermière et son gosse. Il nous manque peut-être Isel. Mais qui est où ça? On ne le sait pas. Ah! Oh putain. C'était trop chelou les ombres à la sortie du... Faut qu'on aille chercher Isel? Est-ce que je leur ai pas assez parlé à tous? C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'il faut que je parle à tous les PNJ. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un grand chemin tout rien? Oiseau a du vini. Ah bon? Il est horrible surtout. Sur une échelle de 1 à... Sur une échelle de 1 à Rutabaga qui parle... Non, c'est pas Rutabaga, c'était quoi? Rhubarbe. Sur une échelle de 1 à la rhubarbe qui parle, ce truc est quand même assez flippant, hein. Quand même, si je puis me permettre. Quelle horreur, c'est ce piaf là! Parce que je le mets pas dans mon journal celui-là. Hein. Le champ des ténèbres, bah il est hors de question que les générations futures se souviennent de ce truc. Hein. Puis lui, j'espère qu'il va bien finir noyé là. Hein. Allez, vas-y. Ah! Pff. C'était compliqué. Alors que les escaliers, tout va bien finalement. Il y a une personne à rencontrer apparemment dans le coin là. Il y aurait apparemment quelqu'un dans le coin. Apparemment, dans un coin, il y a une personne quoi. Aïe. Je suis coincé. Intéressant. Jafar? Jafar, je suis coincé? Ah. C'est bon. Ok. Regardez dans l'œil. Oh, la classe! La classe. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au début et on lui dit j'ai fini de voir la vallée et c'est tout.
On lui dit j'ai fini de voir la vallée et on s'en va? On essaie de faire ça? Il y a son père ici, bah ouais. C'est trop étrange. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un trigger pour les alarmes quand on passe ici, quoi. Il y a un trigger pour les alarmes quand on passe à cet endroit-là, quoi. C'est beau en tout cas. Hein. Pouf. Écoutez, on va remonter, je pense. Hein. J'aime pas du tout cette alarme militaire, elle m'évoque rien de joyeux. Bah ouais, ouais, c'est normal, elle évoque la destruction imminente de la vallée, quoi. Alors après, si on allait au barrage et qu'on annulait tout... Mais le truc, c'est qu'on a toujours pas compris quel est le plot du plan des mains grises aussi, hein. Pour l'instant, notre personnage n'est pas du tout décidé à y faire quoi que ce soit, quoi. On nous a juste dit, on a besoin de... La saison a besoin que tu t'occupes d'elle, fais un truc, mais va te faire foutre, quoi. Cette route ! Tout est fait pour qu'on n'ait pas envie de la remonter, hein. Oula. Il y a eu un changement de temporalité, on est d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il fait... Allô ? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel, putain ? C'est quoi ces bruits ? C'est un coucher de soleil ? Ok, bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Les viewers, vous n'avez rien vu. Ok, le désenchantement n'a pas disparu, d'accord ? Il n'y a eu aucun désenchantement. Vous n'avez rien vu du script. Ceci n'est pas le script que vous cherchez. Tu ne vends pas de bâton de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Faites comme si c'était la première fois qu'on découvrait cette descente. Wow ! Oh putain, ça pète la classe ! Pouah ! Ils ont vraiment mis le paquet, hein. Est-ce que c'était comme ça la première fois qu'on arrivait ou quoi ? Ou là on est vraiment sur un coucher de soleil ? J'ai l'impression qu'on est quand même vraiment sur un coucher de soleil. J'ai l'impression qu'on approche quand même vraiment d'un coucher de soleil.
Faut vraiment se mettre à côté hein, si on veut enregistrer ce machin. Ok. En fait, peut-être que je blasse, que je blasphème, que je diffame depuis tout à l'heure. Et qu'en fait, c'est vraiment un coucher de soleil. C'est peut-être vraiment un coucher de soleil. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre au temple. J'ai que ça à faire. Femme. Je diffame femme, tout à fait. Est-ce que c'est parce qu'on est en train de passer derrière la montagne qu'on voit plus le soleil, ou est-ce que c'est parce qu'il se lève et est-ce que c'est parce qu'il se couche, pardon? Parce que là, ces couleurs roses, on les avait pas tout à l'heure, hein. Ça ressemble vraiment à un coucher. J'ai envie d'aller voir au temple du coup. C'est marrant, il nous reste juste le temps de nous balader en fait. Mais est-ce que c'est ça seulement? J'ai pas l'impression que les ombres s'allongent ou quoi. J'ai pas vraiment l'impression que le soleil bouge non. Oh là, waouh. Que le soleil bouge non plus. J'arrive pas à vous dire si c'est... si le temps passe vraiment ou pas. Est-ce que je retourne à la ferme fruitière? Est-ce qu'il fallait que je fasse ami-ami avec la meuf? En fait, je comprends pas ce qu'il me reste à faire là. J'avoue que j'ai un peu l'impression de tourner en rond et c'est pas super agréable. On m'a dit observe le monde, mais j'ai pas le droit de décider d'arrêter d'observer. C'est un peu observe le monde et observe le monde, putain. Et j'aurais bien aimé avoir le choix. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que j'ai oublié un truc? Ils m'ont juste dit t'as jusqu'à minuit quoi. Après on inonde. Le truc c'est que là, bon. Non, le soleil se couche pas, on est d'accord. Hein. Là, c'est les bois perdus, là, à gauche, là. À droite, pardon. À gauche, c'est la ferme. La ferme, ta gueule. Oh, ce petit pont en bois qu'on n'avait pas vu, finalement, la première fois. Qui est tout rigolo. Oh.
Oh, les trois chiens de ouf, là. C'en est une autre. Oh! Oh, bah rigolo, ça. Ok. Sentier du cimetière, nouvelle page ajoutée. Ah bon? Ah merde! Ah bah il me restait apparemment des endroits, hein. Attends, quoi? C'était ça le truc? C'était ça la soluce? Il me restait une page de mon répertoire? Non mais quelle blague! C'est pas ça quand même! Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bah j'ai l'impression, ouais. Ok. Bah attendez, je vais prendre les photos de ça alors. Ils sont pas très beaux, mais on va les prendre en photo quand même. Allô? J'ai pas pris dans le bon angle peut-être. J'étais pas au bon endroit pour les prendre. Ouais, c'est ça. Et du coup, il doit considérer que la photo est pas bonne. Les chiens de gare cornus partout dans la vallée. Ah bah non, bah fais un effort, c'était juste un petit caillou là. Mais elle a la flemme. Alors pourquoi ça s'appelle Sentier du cimetière cet endroit? Je suis encore en train d'aller me foutre dans un mur invisible, c'est ça? Yes. Putain. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Chaos ce petit sentier, hein. Mais on y est déjà venu ici. C'est pas du tout le sentier du cimetière, ça. Il y a une drôle de branche en forme de lance-pierre, mais c'est tout. Ok. Est-ce que là aussi c'est le sentier du cimetière? Je sais pas où est-ce que je vais. Je sais pas vers quel but. C'est étrange. J'avoue que c'est particulier. J'étais persuadé que le cimetière c'était là, du coup sentier du cimetière, j'aurais dit c'est ça, non? Mais je crois que cette page là j'ai déjà rempli. Et voilà, ça va au cimetière, c'est pas le sentier du cimetière. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à prendre comme photo pour le sentier du cimetière? C'est trop étrange. C'est juste là, le sentier du cimetière, et c'est tout, point. C'est
C'est si petit, il y a si rien du tout. Il y a tellement rien. Je vais mettre une photo de branche. Ça compte, hein. Tristesse. Je vais mettre une photo de branche. Je file, bonne soirée, des bisous à toi, Yumu. Ciao, ciao. Ouais, je pense que là, ça va sentir la fin d'un spiel. Là. Les mecs qui vont lire le journal, ils vont être en mode, ouais. Bon, elle se faisait chier, quoi, hein, globalement, hein. J'essaie de séparer les choses en deux catégories, permanentes et éphémères. Mais la séparation disparaît. La différence n'est qu'une impression. Je comprends pas. Ok. Et là, du coup, c'est bon ? Conclusion et nouveau timbre débloqué. Alors. Ouais. Nuage. Petit nuage. Voilà. Et bah, super. N'hésite pas, hein, repasse quand tu veux. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on déclenche la fin? Ou la suite? Et qu'est-ce que... Quel est mon objectif, là, maintenant, là? Jusqu'à maintenant, je découvrais des choses à l'infini. Et là, ça s'est brusquement arrêté, là. C'est moi qui manque de curiosité et qui prends pas assez de photos, ou... Est-ce que j'ai pas rencontré un événement en particulier qui manque ? Est-ce qu'il fallait que je leur parle plus longtemps ? Ah waouh ! À eux ? Le Rutabaga qui nous parle ? Non, c'est pas Rutabaga, c'est... Putain, Rhubarbe, la Rhubarbe qui nous parle. Rhubarbe, c'est mon mot favori, rhubarbe. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, là? Je peux aller y faire un truc ou pas? Rhubarbe. Oh! Un nouvel enregistrement que j'ai pas encore vu. Oh! Une note! Lire. Pour que la terre guérisse, elle doit oublier. La musique n'est pas assez. Quelque chose m'échappe. Comment est-ce que ça pourrait être plus fort? Il semble avoir été obsédé par la résolution de ce problème. Non, mais j'étais content avec la ferme, là. J'ai déjà... Oh. Qu'est-ce que c'est un appareil de musique? Que la terre oublie. Non mais je sais pas, je les viewers, je vous jure, je comprends pas ce qui me manque, hein. J'ai pas envie d'aller chercher une solution pour ce jeu quand même. Mais en même temps, on va pas y passer des heures là dans la vallée de Tieng. Parce que elle, j'ai plus le droit de lui parler en fait, là, c'est fini. Elle s'est transformée en statue de cire. Et lui, c'est pareil, interdiction de parler. Je les ai briqués, quoi. La seule qui veut bien me parler, c'est la vieille. Est-ce que c'est ça l'indication sur ma carte? Qui me dit que il faut aller lui parler? La petite étoile avec un sourire, c'est ça? Ou alors c'est le site de fouille? Ou alors est-ce qu'on va voir un autre dieu? Qu'est-ce qui se passe si je vais à nouveau prier Vacarme? Vacarme. Vacarme, c'est par là-bas. Par exemple. Ou si je vais à nouveau prier Rhubarbe. Finalement. Oh la merde, échec. Mauvaise direction. Wow. Attends, il faut que je réinverse la caméra. Les biquettes!
Les biquettes. Ah, mais merde! Est-ce que tu peux arrêter de buter sur le moindre caillou, s'il te plaît? C'est terrible, ça. C'est pas très agréable. Bon, est-ce qu'on a des viewers qui veulent leur météo, les cocos? N'oubliez pas, hein. Si vous avez pas envie de météo, moi je fais pas la météo. Si vous avez envie de météo, moi je fais la météo. Et c'est quoi là derrière? J'y suis déjà allé là-bas ou pas, hein? Ah, cette fois-ci les escaliers sont pas passés. C'est pas grave, accélération des escaliers, on s'en va les couilles. Aïe. La musique pour les vaches. Ce chemin, j'ai forcément déjà dû y foutre les pieds, non? Je sens le déclenchement d'une alarme dans pas longtemps là. Ils sont toujours là pour nous foutre les boules quand on les oublie celles-là. En fait, c'est dès qu'on passe près du truc, c'est pour nous donner des chances de l'enregistrer en fait le son. C'est pour leur donner une chance d'enregistrer le son. A chaque fois qu'on passe à côté de cet endroit, il nous la déclenche. Putain. Ça, on l'a déjà vu, ça. Donc c'est pas lié au temps qui passe, du coup, les alarmes. C'est lié à nous qui passons près du lac avec cette drôle de statue dégueulasse. Quoi cette plaque? Ces runes atmosphériques ont été désignées comme un symbole de l'insondable nature du passé. Qu'est-ce que c'est? Un pont? Un genre d'aqueduc? Qui l'a construit? Pourquoi tombe-t-il en ruine? Nous ne le savons pas. Mais nous habiterons dans cette énorme structure pour le reste de nos jours. Elle date de l'an 100, peut-être même avant. C'est pas dans cette structure si énorme. J'aurais bien aimé en savoir plus sur la vieille époque. Allô? Pourquoi tu veux pas monter sur ton vélo? Merci. Je comprends. Je suis désolé, les joueurs, je vais aller voir une soluce parce que c'est terrible. En vrai, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce que je suis encore censé faire en fait. Ça me perturbe beaucoup de devoir chercher ça. Je suis désolé, mais je comprends pas quoi. Je comprends pas ce que je suis censé faire. C'est trop bizarre. Y a pas de solution en même temps sur internet, ça m'étonne pas vraiment. Mais qu'est-ce que je suis censé foutre? C'est trop étrange cette espèce de plat dans le jeu là où il se passe rien là. J'ai forcément dû rater un truc, non? J'ai forcément dû rater un truc, non?
Elle s'ouvrira la nuit venue. Mais ça sous-entend qu'il faut qu'on attende la nuit, mais comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on attend la nuit? On va aller voir le dieu du dodo. Peut-être que c'est lui qui fait passer le temps. On va reprier au dieu du dodo, d'accord? On va faire ça. On va aller voir le dieu du dodo pour qu'il nous fasse faire dodo. Et le temps passe. Et après, c'est la nuit. C'est peut-être ça l'énigme. En vrai, je vous jure, je comprends pas et ça me frustre un peu. Ça me frustre un peu en vrai. Que ce jeu perde de sa splendeur à cause de cette espèce d'énigme. Si tant est que c'en est une, hein, d'ailleurs. Hein. Priez. Non, pas néon. Ça ne semble pas avoir fonctionné. Oui, bah oui, normal, ouais. Priez. Marée. Un rêve est bien suffisant pour aujourd'hui. Ouais, donc j'ai le droit de prier qu'une seule fois. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Le jeu est inachevé ou il y a un truc? C'est moi qui rate quelque chose? Je suis obligé de le 100% pour le terminer ou... Après, ils avaient l'air de dire que la vieille, elle faisait des trucs quand même. Alors, allons voir la vieille. Présentons-lui peut-être le dernier dieu. Peut-être qu'on va lui dire à la vieille qu'on a touché Marée, Néant. Et là, elle va nous dire « Oh mon dieu !» Peut-être, hein. Peut-être que c'est ça la solution. Tout ce que je trouve sur le net, c'est Sunset unlocks only after completing some mandatory main side quests. Ouais, donc il doit rester un truc là. Hein. Main side quests. Bon, en tout cas, merci, j'adhère. Et regarde, là, c'est trop bizarre. Quand on rentre chez elle, ça change complètement la... Ça change complètement la météo quand on rentre chez elle. Que me reste-t-il à faire ici? Aller saluer la veuve. Ils ont une. Aux dernières nouvelles, elle se demande. Mais j'ai déjà fini ça. J'aimerais. Mais tu pourrais me. Je fouillerais mon esprit. Mais j'ai déjà fini la veuve. Elle est en train de me dire qu'il me reste des choses à faire auprès de la veuve. Mais j'ai déjà fait ça. Oh, tu lui as parlé? Oui. Mon enfant, que t'a-t-il pris? Mon nom. Oh, juste ton nom. Oui. Ce ne sera pas trop difficile de régler la situation. La vie te donnera un nom, ou tu en trouveras un nouveau. Mais la veuve et son fils, je leur ai déjà parlé. Donc en fait, elle est là pour nous guider, en fait. Donc apparemment, il me reste un truc à faire au niveau de la ferme. Mais j'ai tout fait au niveau de la ferme, ils veulent plus me parler. Est-ce que j'ai un scénario buggé ou... C'est moi qui suis con? Peut-être les deux? Je suis déjà passé par là. Au secours, on va se manger un arbre, trop tard. Aïe, ah ouais, coincé par une branche.
La fameuse danseuse sur une branche. Ok. Ok, ok. Un peu dommage que le jeu perde de son charme de cette manière. Après, l'avantage, c'est que maintenant, la vallée de Tieng, je la connais par cœur, quoi, donc... Je sais me repérer même sans carte. C'est terrible parce que j'ai pas l'impression d'avoir raté quoi que ce soit, quoi. C'est ça qui est le plus frustrant, c'est que... J'arrive pas à trouver ce qui me manque. Aucun jeu ne m'avait fait ça depuis Outer Wilds, quoi. Et la dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était la fin d'Echoes of the Eye, et on sait tous ce que j'en ai pensé. Je te montre un truc ou... Pourquoi vous me faites tous la gueule là? Pourquoi vous êtes briqués là? Pourquoi ils bougent plus ces deux cons là? Tu veux parler? Tu veux parler? C'est ce qui me semblait. Tu veux prendre une photo? Petit selfie? C'est ce qui me semblait. Donc apparemment, il faut remplir ton journal suffisamment pour que le soleil commence à se coucher et que ton perso fasse une remarque comme quoi le temple est probablement ouvert. J'ai quand même bien rempli mon journal là. J'ai quand même bien rempli mon journal. Enfin je pense que j'en suis au troisième répertoire. C'est pas assez encore. Oh. Quelle horreur du démon démoniaque. Rappelle les inventions musicales du docteur Fumio. Je me demande si le son devait aussi guérir. Est-ce que tu sais sur combien de pages je suis censé remplir le truc, Jardère? Parce que là, quand même, vraiment, eux, ils sont briqués, quoi. Ils font plus rien. Est-ce que j'ai fait un mauvais choix à un moment ou quoi? J'essaie de trouver l'info. C'est trop bizarre que le jeu se soit bloqué comme ça. Alors après, j'avais eu un drôle de bug à un moment. J'avais eu une page qui s'était... Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un stream que j'avais commencé en disant « Ah, c'est marrant, cette page, elle a été delete. » Et j'avais dû la refaire.
est quand même bien rempli le machin là. Alors après, est-ce qu'il faut que je tente de prendre des photos au pif à des endroits à la con pour voir si ça fera des choses ? Parce que là, c'est simplement l'arbre, je l'ai déjà pris. Déjà, l'arbre, j'étais content de l'avoir trouvé, tu vois. Pour moi, c'était un truc vraiment balèze de l'avoir trouvé. Le site de fouille, je l'ai déjà fait. Quoi ? Quoi ? What ? What ? Ah oui. C'est bon, je me suis peur tout seul, j'avais oublié que j'avais laissé la radio allumée. Oh le flip. Le flip, j'avais oublié que j'avais laissé la radio allumée. J'ai trouvé un guide avec une liste de trucs pour débloquer toutes les pages. Tu sais quelle page on est censé encore débloquer, Jardin, ou... Tu sais combien de pages on est censé avoir ou pas du tout? J'ai pas en tête tout ce que t'as fait. Vas-y, je te montre mes pages. Je te montre mes pages. Hop, j'ai fait plein de zones. Donc, saison passée, une lettre à l'avenir, un village dans les montagnes, le rêve de pâté. Cette saison prendra fin, papa, le musée des mémoires. Le matin, je quitte la maison, rituel d'adieu, village Caro. Qui était le docteur Fumio? Comment quitter le foyer? Le chemin pour quitter Caro? Ruine de grue? Le long périple, l'ancienne, l'entrée de la vallée de Tienne, que font les mains grises, étant paisible, point de rassemblement, ferme les tiers, site de fouille, à quoi sert le site de fouille, c'est quoi le jour zéro, le sentier de la forêt ouest, qui est le dieu dans le champ de fleurs, arbre ancien, une vie sur la pelouse, ferme fruitière, cimetière, le rêve de pâté, vision de la vallée, sentier est de la forêt, chute dans la forêt, un artiste dans la vallée, rivière de la vallée de Tienne, stationnement, qu'est-ce qui est arrivé durant la guerre, sentier du sanctuaire, qui est le dieu du souvenir, qui est la marée, et sentier du cimetière. Le truc c'est que là, j'ai beau regarder la carte, je vois pas d'endroit où je suis pas allé quoi. Je vois pas d'endroit où je suis pas allé en fait. Ça c'est la ferme des vaches. L'entrée de la vallée, je l'ai déjà fait. Ça, c'est la ferme fruitière. Ça, c'est le pylône. Il y a un truc dans la forêt, apparemment, que j'ai pas fait. La partie basse de la forêt, je l'ai pas faite, j'ai l'impression. Alors allons-y.
Allons-y, roulons jusqu'à la partie basse de la forêt. Apparemment, je suis allé que par en haut dans la forêt. Apparemment, il y a un hôtel en bas de la forêt que je n'aurais pas vu. Du moins, c'est ce qu'il y a l'air d'avoir indiqué sur la carte. Parce que moi, je suis toujours parti en haut dans la forêt, je crois. Voilà, donc en suivant ce chemin, j'imagine que je vais aller dans un endroit que j'ai pas encore vu. Apparemment là. Mais si, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Le vent qui fait des bruits chelous là, j'ai déjà vu. Ah, oups. Quel pataquès bazar là! Quel enfer! Et l'autre, elle me dit va voir la veuve et son fils quoi. Le problème c'est qu'ils foutent rien. Est-ce que y avait pas un truc genre décoincé? Ça m'a mis où ça? Je suis où là? Je suis à côté de la baraque de la vieille, non? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des photos à prendre dans la forêt peut-être? Sentier est de la forêt. Non, j'ai déjà fait. Est-ce que j'ai fait un sentier ouest de la forêt? S'il y a un sentier est, il doit y avoir un sentier ouest. Ha ha! Regardez. J'ai trouvé une page qui me manque. Non mais si c'est ça, c'est l'abus quand même. Hein. Il y a effectivement un sentier ouest à faire. Alors... Mais c'est là, hein. Mais j'avais pas déjà pris ces photos-là? Est-ce une sculpture ou des matériaux bruts? Non, c'est toujours le sentier est. Attends, wait. Je suis con comme un balai, je suis allé vers l'est là. Je suis con comme un balai, je suis allé vers l'est. Alors attendez. Là, je vais vers l'ouest. Et du coup, c'était bien un soleil couchant qu'on voyait. Le soleil se couche à l'ouest, donc c'était bien un soleil couchant qu'on voyait tout à l'heure. Donc j'imagine qu'on est proche du crépuscule, mais alors, bon. Et là, je suis toujours sur le sentier S, là?
Parce que ça, c'est la sortie de la forêt, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la sortie de la forêt, hein. Ah putain, attends, elle est dans quel sens, leur map à la con? Eh? Quoi? Quoi? Apparemment, c'est vers le vieil arbre. Le vieil arbre? C'est où le vieil... Ah! Là-bas? Ah bon? Bordel. Putain, on en est à vouloir finir ce jeu, hein, quand même, hein. C'est pas bon signe quand même ça, hein. C'est pas bon signe. Je vais finir tout colère. J'avoue ne pas être très 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 satisfait là de ce qui est en train de se passer. C'est par là? Le problème c'est que vu que j'ai pas le droit d'explorer, je ne sais pas si je vais dans les bonnes directions ou pas aussi. Voilà, donc là par exemple je suis tombé sur un à-pic. Faut que je fasse le tour. La caméra m'a joué des tours là. Donc vers le vieil arbre, c'est là? C'est là? Mais non, là c'est la montée vers le cimetière. Est-ce que je viens pas de me perdre exactement ici d'ailleurs? Si, je viens juste de faire un tour en fait. C'est ça là? C'est ce petit chemin là? Photo au pif? Non, sentier du cimetière. Donc le vieil arbre est là. L'engin du démon est juste à côté. T'es sûr que c'est pas un sentier ouest du cimetière, Jadar, que t'as vu? Ah oui, mais je l'ai déjà fait, le sentier de la forêt ouest. J'ai déjà fait, c'est le Kiki. C'est bon. West Forest Pass, c'est bon, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Avec tout ce que je t'ai montré, t'as pas des noms qui t'inspirent sinon?
C'est allé trop vite, au pire remonte et je screen. Yes. Vas-y, on va faire ça. Tiens, tu peux screen. Screen 1. Screen 2. Screen 3. C'est ok pour toi ou... C'est loté, merci. Est-ce que eux ils ont bugué et genre j'ai raté leur quête? C'est trop bizarre parce que j'ai quand même choisi leur putain de livre et tout là. Merci. Parce que là je comprends pas en vrai, c'est incompréhensible quoi. Elle veut toujours pas me parler hein. Décoincé, c'est un bouton pour arrêter d'être perdu. Non mais sans déconner en vrai. C'est pas normal qu'on soit aussi perdu hein. C'est pas normal. 26. Après le truc c'est qu'on n'a pas vu Easel. Ça c'est un truc je serais prompt à chercher Easel en vrai. S'il faut faire des side quests et que les side quests c'est parler à des PNJ, il doit nous manquer Easel. Il doit nous manquer la parole de Easel. Qui est jugé comme nécessaire. Mais Easel, de ce qu'on voit, c'est au niveau des sanctuaires, quoi. Le problème, c'est qu'au niveau des sanctuaires, va savoir. C'est au niveau de la ferme, sinon? C'est pas au niveau de la ferme. Pas du tout. Non, non, c'est bel et bien en hauteur et au niveau des sanctuaires, apparemment. C'est peut-être une personne qu'on va rencontrer plus tard, mais... Pour l'instant, rien de vu, hein. Il n'y a pas eu un bug de sauvegarde et genre il me manque Vacarme. On est d'accord que Vacarme, je l'ai fini. Sa page, elle est complétée. Je crois qu'une fois, c'est plus que suffisant. Mmh. Non, mais pour moi, la seule chose qu'on n'a pas vue, c'est Easel. Ce nom ne dit rien. La personne ne me dit rien. Les ombres ont complètement changé. Elles sont complètement sur les murs opposés. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Ah non, elles ont même rétréci. Incroyable. Ah, quoique... Elles ont juste pas bougé en fait. Le ciel a bougé mais les ombres non. D'accord. Vraiment je comprends rien. Je peux pas. Peut-être péter les couilles à quelqu'un. Peut-être se mettre devant la porte et sonner. Très bien que quelqu'un me dise ferme ta gueule. Et comme ça on n'en parle plus. Je suis si débile que ça ou ça se passe comment? Ferme ta gueule. De rien pour ça. Ah merci, merci Alesten. Vous êtes trop urbain mon bon monsieur. Trop urbain. Non mais sans déconner en vrai, je comprends rien et ça me pète les couilles.
Ça fait 12 fois que je passe par tous ces endroits. Je crois bien que c'est les pages des dieux. Quoi ? Mais comment ça, je les ai faites, les pages des dieux ? Qui est le dieu dans le champ de fleurs ? Le néant. Bah alors, je l'ai noté, là. Il faut faire un truc en plus ? Elle est finie. La page du dieu du néant, elle est finie. Ensuite, qui est le dieu du souvenir ? C'est fini, le vacarme ? Qui est la marée ? C'est tout ? Il y a une autre page en plus ou... Il me manque quelque chose ? C'est vrai que je suis pas allé prendre de photos au sanctuaire aussi, je crois, si ? Le sanctuaire, je l'ai pas fait. Si, j'ai pris des photos des plaques commémoratives et tout. Le sanctuaire, j'ai fait quand même. Est-ce que c'est parce que j'ai choisi d'oublier ? Cette structure n'a pas d'utilité, contrairement à celle qui se trouve dans mon village. Je crois que c'est censé te faire ressentir quelque chose ou donner un endroit où réfléchir. J'avais loupé une page de Dieu. Non mais vraiment, ça me rend fou quoi. Est-ce que t'as juste compté les pages, Gerder ? Parce qu'en vrai, j'ai l'impression d'être au 100% moi. Attendez, parce que là c'est ridicule en vrai. Apparemment, il y a des trucs en plus à faire, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, ça, c'est les pages des locations. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 15. Quoi ? Non, mais putain ! Alors, en fait, apparemment, la mère, il y a un truc à faire. Sophon et Kochi, en fait, apparemment, il y a des trucs à faire. Apparemment, il y a une page qui manque, mais bah, je pense qu'il est buggé, le petit, du coup. Je pense que le petit est buggé. C'est à la ferme fruitière apparemment qu'il y a un truc. Du moins il est censé, après avoir terminé la tâche de Sophon, donc qui est la mère, Kochi va prendre son vélo et s'en aller. Et la tâche de la mère, c'est on l'a déjà fait, non? C'est l'aider à ranger ses affaires. J'ai raté un truc ou... J'ai raté un truc ou c'était bien ça? Faut juste l'aider à remballer ses affaires, non? Là, j'ai compté 15 plus 3, 8 plus 19, plus 17, pardon, parce que 19, c'est pas censé être 19. 18 plus 17, ça fait 35. Oui.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. C'est pas possible, il ne comptait pas bon. Ce site internet recense même pas toutes les pages du coup. Apparemment, il y a un truc à faire quand on a fini d'aider la mère à remballer son bordel. Apparemment, le gosse pète un plomb et se casse sur son vélo, apparemment. Mais quel vélo? Parce que là, pour moi, la mère, elle est en état de mort cérébrale, quoi. Donc le jeu est... En fait, c'est ça le truc, c'est que le jeu est buggé et je peux pas accéder à la fin, ou... Il y a eu un échec de script à un endroit et c'est fini, quoi. Oh là 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 là. Non mais c'est pas vrai. Vous imaginez, j'ai l'impression qu'on est à ça. À ça d'aller au bout. Et il y a un bug de script. C'est pas possible. Ça peut pas être juste ça. Pourtant en plus, on n'avait pas trouvé de trucs bizarres quand on les a aidés là, les deux là. Ça nous avait pas semblé étrange. Mais putain, arrête de buter sur le moindre brin d'herbe. Ça y est, le jeu m'agace. Le jeu devient... ses défauts deviennent visibles. J'ai fini ta merde! Il fallait que je fasse un truc avec ce chariot à la con, là? Oh, je vais péter un plomb. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris mes vêtements essentiels. Je ne sais pas quoi faire avec ça. C'était le plus bel habit de Yuri. Peut-être qu'il fera Akoshi quand il sera plus grand. Mais ce n'est pas pour demain. Oh, je vais péter un plomb. Ma robe pour les îles. J'ai fait cette robe pour notre voyage dans les îles. Le voyage que nous n'avons jamais fait. Je m'étais inspirée d'une photo, d'une danse des côtes d'Azen. J'ai passé tellement de temps à la faire. Oh, ça va être très compliqué. Voici quelques-uns des vêtements que Yuri portait dans son enfance. J'ai cru que Koshi pourrait les porter. Mais il dit qu'il pique. Alors, à quoi bon? Mais les jeter? Au moins tu as trouvé. C'était un petit garçon. Il a grandi. Je veux dire, ça me fait un peu mal. D'accord. Apporte la bichique. Oui, pire, Koshi pourra le porter. Évidemment, nous la porterons. Voilà. Tu devrais apporter tout ce qui aide Koshi à se souvenir de son père. Voilà. Voyons comment ça va jusqu'à présent. Allez, tu as tes livres. Ils se souviendront que Yuri rêvait de visiter les îles. Voilà. Koshi sera si fier de porter cet habit un de ces jours. Ouais. Je me souviendrai de la perception que Yuri avait de lui-même. Je crois que nous y sommes presque. Regardons-le encore quelques instants. Quoi encore? Quoi quelques instants? Mon époux a construit ses outils pour étudier la vallée. Ils étaient toute sa vie. Une vie qu'ils ont prise aussi. Alors, qu'est-ce que j'en fais? On ne peut pas acheter d'outils comme ça. Il les a fabriqués. Mon époux n'a pas insulté Dieu, mais il a peut-être pilé sur ses plates-bandes. Et la vie l'a quitté. Je suis vraiment désolé, je m'en bats les couilles, en fait. Je suis soulagée de quitter cet endroit. Ouais, moi aussi. La vallée de Tien n'est pas un bocal préservé de... Je ne sais pas, de culture. C'est un chaos. C'est la vie. Ah, c'est un constant changement. Très, 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 très frustrant. Il pourrait avoir une valeur incroyable pour un scientifique de l'autre côté du monde. Je ne sais pas. Je les déteste aussi. Je comprends ta curiosité, mais je t'interdis de les utiliser. Qu'est-ce qu'ils font? Je m'en moque. Mais pas lui. Il a passé sa vie à tenter de comprendre ce monde. Je ne peux pas garder ses outils. Et je ne peux pas les jeter. Il y en a même d'autres, des plus gros, dans son atelier de travail. D'accord. Je vais me retourner maintenant.
Je veux que tu les prennes ou que tu les jettes. Je ne veux pas savoir. Les prendre. Ça peut toujours servir. Ah, c'était un peu agaçant quand même là. Hein. J'ai regardé toutes nos vieilles photos. J'essayais de voir ce que j'aurais pu oublier. J'adore cette vue. As-tu été là-haut, à l'entrée du sanctuaire ? Oui, et j'ai attendu que ça ouvre ! Je pense que oui, peut-être pas. L'entrée du sanctuaire est plus grosse que le sanctuaire. Tout juste de l'autre côté de la rivière, sur la colline. Il vaut le détour. Les portes du sanctuaire s'ouvrent au coucher du soleil. Le moine y est encore. J'espère qu'il évacuera. Voici Matiora. Elle habite dans la forêt, près de la rivière. Elle a dit qu'elle évacuera, mais elle est encore là. Ça me rend nerveuse, mais je n'ai rien à redire. Nous sommes encore ici aussi. Pose des questions sur Yuri. J'en bats les couilles de ta vie. Nous sommes mariés dans la banlieue de Tieng et Koshé est né ici, dans la vallée. Il était tranquille. Il écoutait beaucoup, comme toi. Il croyait que son écoute attentive pourrait guérir la vallée. Nous devrons le laisser ici. Pas le choix. Le passé est comme un rêve très lourd. Et je ne me souviens jamais de mes rêves. Mais à mon réveil, je suis dans un nuage de sentiments laissés par le rêve. Puis la journée commence. Je m'active et le nuage disparaît. Je me demande si nos souvenirs de la vallée vont s'évaporer de la même façon. Très certainement. Projetons-nous dans le futur. Un jour, Koshi sera aussi vieux que son père à sa mort. De quoi se souviendra-t-il? Parfait, c'est tout. Ah, rien à ajouter, quoi. Allez hop, on a cassé le truc. Eh ben, il est cassé. Mauvais présage! Je l'ai tué. Le démon de la honte et du deuil. Qu'est-ce qui m'a pris de l'emporter avec moi? Quelle horrible tradition. Koshi, veux-tu encore faire une dernière visite de la vallée? Oui, 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 c'est non. Remettons ces roues à leur place. Voilà. Sur le Power Rangers. C'est terrible parce que dans un jeu contemplatif comme ça, avoir envie de voir la suite, ça vous fait tout péter, quoi. Oh. Je sais ce que j'apporterai avec moi. Pas Koshi en tout cas, c'est il est parti faire un tour. Que je ne pourrais pas laisser derrière, même si j'essayais. Mm-hmm. Quelque chose qui ne pourrait pas être écrasé comme le démon. Oh là là, on écrasé vert. C'est trop profond. J'apporte la partie de moi qui n'est plus là. La partie qui manque. Mais il y a encore tant de vie là, que des fleurs poussent tout près. Quelque chose comme ça. Là, c'est très dur là. Je sens que je me suis hermétisé. Je sens que je me suis hermétisé, il faut que je... Ok, c'est pas grave. Je suis contente que tu sois venue dans la vallée de Tieng aujourd'hui. Tout à fait. Merci d'être là pour moi. Ouais, merci, merci. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'une oreille attentive. Moi non plus. Rien d'urgent, mais comme tu essaies de comprendre... Faudrait peut-être que je vois un psy. Tu peux revenir me poser des questions. C'est non. Je resterai ici, jusqu'à la tombée de la nuit. Ouais, jusqu'à ce que le barrage pète. Une vie sur la pelouse ? Quoi encore? Ah mais j'ai fini celle-là. Ah ouais. Et là c'est bon, c'est le crépuscule là, non? Mon personnage a rien dit. Il faut que j'aille suivre Koshi ou... Faut partir après Koshi. Ah non. Allez, voilà Koshi. Salut, bye. J'ai pas envie de te voir. Tu m'as pété les couilles. Salut.
Non, c'est hors de question. Non, je vais pas perdre mon temps à poursuivre un gamin, là. C'est dommage que le jeu donne pas plus d'infos sur ce qui manque. Bah, la vieille était là pour m'en donner, hein. Mais en fait, le truc, c'est que ça aurait été bien que... Que la meuf, quand on passe à côté d'elle, ce soit pas l'encéphalogramme plat, quoi. Tu vois ? Ça aurait été bien quand on passe à côté d'elle, elle nous dise « Au fait, tu ne m'as toujours pas aidé à finir mes valises. » Par exemple, tu vois. Et lui, il se téléporte maintenant ! Est-ce qu'il va apparaître devant moi jusqu'au sanctuaire comme ça, à tous les coins de rue, là ? Il va être là à chaque fois maintenant ? Mais c'est pas vrai ! C'est un putain de démon ! Mais c'est un démon ! Mon Dieu ! Arrête ! Il est partout ! J'ai vraiment peur ! What the fuck ! What the fuck ! Mon Dieu, mais quelle horreur ! Oh là 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 ! Pitié, suis-le, qu'on en finisse ! Incroyable. Bah là c'est dommage parce que ce jeu c'était vraiment un sans faute et ça s'est pété la gueule quoi. Ça s'est vraiment pété la gueule jusqu'à la fin quoi. Jusque j'entends les cris par le micro de Zugi avant le stream. Non mais Zugi, il faut qu'on lui règle son micro. Il faut qu'on lui règle son micro parce qu'elle capte tout l'appartement. Je peux pas aller aux toilettes sans que toute la conversation Discord soit au courant, donc à un moment, mes cris, mes éternuements, tout ça, tout y est quoi, donc à un moment, bon. Bon bah c'est parti, hein. Voilà, hein. Je savais que dès mon entrée dans le sanctuaire, mon temps passé dans la vallée tirait à sa fin. Bah oui, c'est normal, ça s'arrête à minuit. Allez au sanctuaire, pas envie de rester longtemps dans cette vallée, hein. Peut-être, mais c'est si drôle. Oh là là là. Ça y est, c'est la nuit. Au cœur du sanctuaire, le néant est seul. Ah ouais, bizarre ça. Étrange. Je peux pas faire sonner la cloche là ? Bizarre. Sanctuaire de Tieng. Elle a des roues, mais ressemble à une maison. Une caravane, ça s'appelle. Que fais-tu ici ? J'enregistre cette saison avant qu'elle ne disparaisse à tout jamais. J'espère que tu n'en es pas à ta première journée. Il ne reste que peu de temps pour enregistrer cette saison. Qu'est-ce que c'est ? Autour de ton cou. C'est un talisman. Tu portes un talisman. Mon Dieu, j'ai lu à leur sujet. Un talisman. Une marmite, 5 souvenirs, 1 pour chaque sens. Avec qui as-tu fabriqué ton talisman ? Avec mon maman. Et qui a perdu ses souvenirs ? Était-ce elle ou toi ? Elle a insisté pour que ce soit elle. Je vois. Et qu'as-tu brûlé ? Un livre pour enfants. Tu as brûlé un livre pour enfants et un souvenir. C'est un rituel intéressant. C'est similaire à ce qu'on fait ici, mais différent à la fois. Pourquoi veux-tu savoir ? Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Ton esprit atteindra la prochaine saison, indemne. 5 sens.
5 souvenirs te protègent. Bah, j'ai juste oublié mon nom, mais quoi. Mais tout le reste des gens, il t'arrive d'y penser? Non, je n'y ai jamais pensé. Évidemment. Et je m'en bats les couilles. Pourquoi y aurais-tu pensé? Bien, je n'en ai pas besoin. Je resterai ici, jusqu'à ce que l'inondation m'emporte. Pourquoi ne pas évacuer? Les premiers jours de nouvelle saison sont tellement... Mais Grichou, tout à fait. Porteur d'espoir. Si je devais ressentir ce genre d'espoir à nouveau, j'en mourrais. Je préfère me noyer. L'espoir te fait peur? Évidemment. Évidemment. Peu de choses sont aussi douloureuses que l'espoir. Comment as-tu entendu parler du talisman? Je te l'ai dit. J'ai lu à leur sujet. Et regarde-toi. Tu es protégé. Le reste du monde n'a pas une telle chance. Moi, les gens que tu as croisés lors de ton périple, personne d'autre n'est protégé. Protégé de quoi? Tu crois que tout le monde arrivera indemne dans la nouvelle saison? Va dire ça aux garçons couchés à plat ventre dans le stationnement. Tu sais que les choses s'apprêtent à changer. Je le sens. Serait-il possible de fabriquer un talisman collectif? Un talisman collectif? Pour protéger un groupe au lieu d'une personne? Tu peux bien essayer. Mes souvenirs se retrouvent dispersés dans le sang. Tu peux les prendre, les détruire, en faire ce que tu veux. Demander à un vieux moine d'inventer un nouveau rituel. Laisse-moi mourir en paix. C'est vrai que c'est un Canadien, donc ils disent pas un parking. Ils disent un stationnement. Bah ouais, forcément, ouais. Ouvrir la boîte. Oh! Pourquoi on est passé en moins de 30 FPS là? Qui s'est passé subitement? Il y a de la musique dans l'air. Je l'entends. Alors, tu voudrais avoir un souvenir pour ton... Comment l'as-tu appelé? Ton talisman collectif? Ah, je me souviens de... d'avoir entendu cela au petit déjeuner. Réparer le petit déjeuner. Écoutez ça. C'est bon comme souvenir? Je suppose que je ne l'oublierai pas tout de suite. Je l'oublierai lorsque l'inondation arrivera. Toucher les coutures, toucher les boutons, presser la peluche. Cette vieille peluche. Et ça, c'est quoi? Le toucher. J'avais la même peluche. Tout le monde en avait une. Une touriste a laissé ceci. Une petite fille. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardée. Je savais qu'elle ne reviendrait pas. Mais je peux sentir encore la vie que cet enfant a imaginée dans ce bout de tissu. Qui était cet enfant? Pourquoi sa peluche est-elle ici? Parfois, je tente de me l'imaginer. Et je me vois en elle. La mémoire coule. Même à contre-courant. Faudra que je fasse le journal quand même un moment du coup. Allumer une lumière clignotante, allumer une lumière simple, allumer une lumière colorée. Clignotante! Rave party! Je me souviens d'avoir vu des lumières comme celle-là dans la forêt. C'était Manchez, le chanteur célèbre. Bah c'est lui. La seule fois où j'ai eu la chance de le voir chanter. Mais mes yeux étaient rivés sur la foule. Je voyais leurs visages dans les lumières électriques, leur joie. Mais c'est lui, mon chef. J'ai grandi à une époque où nous pensions que nos vies pouvaient être connectées par l'électricité. Comment pouvions-nous nous détester alors que nous aimions tous la même personne? Il meurt. La guerre éclate. Une saison prend fin. Gros stuff. C'est rigolo parce que les souvenirs, on n'a pas le choix parce que c'est les siens. Pour le goût. Ce fruit, c'est un
goût qui s'acquiert. Et vas-y, goûte-y. C'est dégueulasse. Ah non, c'est quoi? C'est pas un durian? Le goût te plaît? Je n'ai jamais rien goûté de pire de toute ma vie. La première fois, oui, je me souviens. Il y a longtemps, lorsque j'étais un bel être humain, un ami et moi, nous nous étions glissés en douce dans un verger. Avant de connaître la différence entre ce qui est romantique et ce qui ne l'est pas. Voler ses fruits et faire semblant d'en aimer le goût. Faire semblant d'en aimer le goût. Faire semblant de ne pas être amoureux. Oh. Nous faisions semblant tous les deux, riant et souriant, jusqu'à ce que ce soit vrai. Oh, c'est si bon, ce garçon. C'était un touriste. Il m'a brisé le cœur, comme tant d'autres. Aïe, aïe. Et maintenant, est-ce que j'aime le goût de ce fruit? Je ne sais pas. Est-ce que j'aime la vie? Dis donc. Il a eu une vie sympa, ce mec. Friendzone de ouf. Ouais, ça fait mal, hein. En sang puant, en sang de mariage, en sang de prière. En sang puant! Comme l'odeur de tes pieds! Ouf, cette odeur. Le champignon matisma. La femme qui s'occupait de moi avait l'habitude d'en rapporter à la maison. L'odeur était très forte. Elle m'a appris à trouver ces champignons dans les bois. Attentif à chacune des molécules de la création. Elle a dû apprendre de quelqu'un ou elle l'a appris par elle-même. J'aurais dû lui demander lorsqu'elle était toujours en vie. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu lui demander. Nous croyons toujours que nous aurons le temps plus tard. Mais non. Ça fait 5. 5 souvenirs, 5 sens. Il n'y a pas de marmite. Le sanctuaire va être une marmite géante. Un vieux moine entouré de ses souvenirs. Est-ce que c'est un sanctuaire pour un dieu? Ou est-ce que c'est un sanctuaire en l'honneur de son passé? Camion. J'ai la flemme de de continuer. Je m'appelle Easel. Easel. J'étais le dernier moine de la vallée de Tiang. Et ça s'est mal passé. Je n'ai jamais passé mes examens pour devenir moine. Mais je suis le seul qui reste. C'est terrible que le jeu soit devenu si nul là à la fin. C'est naturel pour moi. J'ai grandi autour d'eux. Pour t'intéresser à une épave comme moi, tu dois prendre l'enregistrement de cette saison au sérieux. Mm-hmm. Qu'écriras-tu à mon sujet? Tu étais le dernier moine de la vallée de Tiang. Tu as choisi d'être emporté. Tu as choisi d'être emporté. Non. J'ai choisi de rester dans cette saison-ci. Dans la contradiction, quoi. La guerre m'a rendu orphelin. Les moines m'ont trouvé sur la côte. J'irai seul, en état de choc. Sonia, la moine en chef, a pris soin de moi. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Elle m'a aidé à effacer ses souvenirs de ma mémoire. Si j'avais des souvenirs de ma famille, je les ai aussi perdus. Mais, au moins, je ne me réveillais plus en hurlant. J'avais si peur de l'appeler « maman » par mégarde. Pourquoi? Elle était la moine en chef. Même avant de mettre fin à la guerre, Sonia était imposante. J'ai dormi, j'ai oublié, puis j'ai grandi. Les soldats sont arrivés dans la vallée. Sonia détestait la guerre pour ce qu'elle avait fait à ma famille et à bien d'autres. Les prières les plus puissantes sont toujours issues du désespoir.
Elle avait découvert une façon d'amplifier notre prière du sommeil. Une prière qui pouvait mettre fin à une saison. Personne n'avait jamais rien fait de tel. Et pourtant, la main grise va refaire la même. Elle m'a demandé d'aller allumer les lampadaires sur la côte pour signaler que la saison tirait à sa fin. J'avais l'habitude de me rendre aux lampadaires seul, juste pour rêver à une autre saison. Rêver de vivre une saison différente. Mourir au cœur d'une saison différente. Imaginez une vie où je n'aurais pas peur d'espérer. J'aimerais t'offrir l'une de ces photos pour que tu la portes avec toi, où que tu ailles. Toi qui rêves d'une autre saison. Ces lumières, là-bas, sur la côte, les allumer est une tâche solennelle. Et il n'est pas trop tard. Ils ont coupé l'électricité. Ça y est. Il ne reste plus beaucoup de temps. Imagine les vagues qui déferlent jusqu'ici. L'eau si profonde que la lumière ne nous atteint plus. Je devrais prier une dernière fois. Nous devrions tous les deux prier. Maintenant. Ton talisman, le sacrifice que ta mère a fait pour te protéger. Il est peut-être possible de transmettre cette bénédiction à autrui, d'en diviser le pouvoir entre les gens que tu as rencontrés lors de ton périple, pour les protéger et les guider vers la prochaine saison. Pour que la prière soit vraiment forte, nous aurions besoin d'utiliser le pouvoir de ton talisman. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Ça n'a jamais été tenté. Mais je sais que ton talisman serait affaibli. Alors, personne ne serait protégé. Avant d'allumer la bougie, es-tu certaine de ton choix? Je veux que tu y réfléchisses bien. Veux-tu partager cette bénédiction et devenir toi-même vulnérable? Ou souhaites-tu conserver ton rôle de gardienne de la mémoire? Non. C'est ma mère qui me l'a offert. Je peux pas sacrifier ma mère. Je ressens le choix. Ne le dis pas à haute voix. Ce n'est pas nécessaire. Ça me rassure de savoir que tu seras en sécurité. Tu seras témoin de bien plus. Saison après saison, nous nous en remettrons au Dieu. Nous enfonçons ces mots dans la terre fragile pour qu'ils accompagnent les âmes perdues. Écoute le disque de nos vies qui tourne et la vieille dame qui tape du pied au rythme de la musique. Goûte aux fruits que nous avons volés dans le verger et a l'air d'en aimer le goût jusqu'à ce que tu l'aimes vraiment. Touche l'étoffe d'une poupée perdue. Respire l'odeur d'encens d'un vieux soleil couchant. La prière du gardien. L'odeur des bois et l'arbre de mariage. Tourne le regard vers la lumière colorée. Les visages que tu vois dans la foule sont les visages de tes enfants. Nous offrons cette prière au nom de nos compagnons. Laisse leur sens être stimulé et prêt à accueillir la nouvelle vie de la prochaine saison. Tu détiens les sons du moment. Le moment est déjà derrière nous. Nous avons fait tout notre possible. Je dois te sortir de cet endroit. Ça ne peut s'arrêter ici. Allons-y. Ce n'est pas l'inondation qui a marqué la véritable fin de la vallée de Tieng. C'est le moment où ses habitants se sont séparés. Au tout dernier moment, je les ai vus comme une communauté.
Peu importe ce qui arrive, j'emporterai la mémoire de ces gens dans la prochaine saison. In what context? Oh, 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 oh. L'agent des mains grises est arrivé. Il avait un genre de passeport pour tout le monde. Il a dit qu'ils sont censés avoir une photo, mais son appareil était brisé et il a voulu utiliser le mien. J'ai vu dans ses petits papiers le début d'un nouveau monde. Il m'a demandé si je voulais l'aider. Name Koshi, je n'avais qu'un instant pour me décider. J'ai accepté. L'agent des mains grises m'a remercié. Il m'a remis une épinglette. Et il m'a dit que leur nouveau nom allait être Sentier Floral. Et le vieux reste là, quoi. Le moine a dit qu'il avait envie de conduire toute la nuit. Mais il va pas aller loin, hein, la vallée est pas grande, hein. Et le vélo, on s'en bat les couilles au fait, hein. Écoute bien. La route derrière toi mène à la côte. Tu trouveras un vieux système d'avertissement sur la plage. Une lumière d'urgence que l'on peut voir de l'autre côté de l'océan. Tu peux avertir le reste du monde que la saison tire à sa fin. Tu n'as qu'à allumer cette lumière. Elle a été conçue pour être à l'épreuve de tout. Je suis certain qu'elle fonctionne toujours. Tu comprends? Oui. Que quand tu fermes, est-ce que je peux prendre ton portrait? Bien sûr. Disaient les vivants. Que comptes-tu faire maintenant? J'ai passé la nuit à y penser. J'ai l'idée de convertir ma caravane en un nouveau sanctuaire. Chaque fois que je prêcherai un sermon, j'en écouterai 10. Et toi, tu te souviendras de tout. Tu survivras à tout. Repose-toi et ouvre-toi à l'esprit qui te permettra de t'élever. Adieu. Le vélo, on l'a toujours apparemment, ouais. Ouais. Bon, moi, ça m'a arrêté au moment pour prendre une jolie photo. Thank you.
C'est excessivement énervant. Ils sont désespérés. Ils tentent de parler. Quel bâtard. Il m'a vraiment pété les couilles. Il m'a pété les couilles. C'est-à-dire que lui là, c'est pas le bon. On est d'accord ? Vas-y, ce jeu m'a pété les couilles en fait. J'en ai trop marre. C'est horrible d'en avoir autant plein le cul d'un jeu aussi magnifique. C'est tellement dommage. On est passé à si peu d'avoir un perfect sur 20. Et là, le jeu se chie dessus à la fin, quoi. Ah non, c'est pas vrai. Dessine un croquis, vas-y, fais-moi un dessin, là. Fais-moi une illus. Putain, le jeu s'est chié dessus sur le... Oh là 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 là. Pardon, hein, mais vraiment, je suis triste parce que ce jeu, il m'a ému. Je l'ai trouvé beau et tout, et voilà, quoi. Ils ont eu des super bonnes idées, mais petit problème de game design, quoi. Problème de game design qu'on a résolu hein, depuis les années 80. À savoir, quand un joueur est perdu, on lui donne un conseil. Les PNJ ont des animations, enfin ce genre de trucs quoi, mais... Malheureusement, c'est... Voilà, hein. C'est dommage. Ce qui est terrible en plus, c'est que... Si on regarde bien, ta gueule! Je te déteste! C'est pas le seul PNJ qu'on a croisé en plus. C'est pas le seul PNJ qu'on a croisé. Putain, et elle bute sur des putains de cailloux là! T'étais vraiment obligé de faire les hitbox des cailloux? Très triste. Je suis vraiment empli d'une très profonde tristesse, les viewers. En fait, j'aurais aimé ce jeu jusqu'au bout. Je suis vraiment excessivement triste. Putain. Tati va être jaloux quand je vais lui dire que j'ai vu un vrai bateau. Un vrai bateau ? Ça alors, quelle chance ! Et l'autre tâche qui pionce là ? Est-ce que je peux l'enregistrer ?
Mon père ronflait très fort et il en retirait une certaine fierté. Une nuit, où c'était particulièrement fort, maman l'a envoyé dormir sur la place. Mais c'est moche, hein. Je peux pas le supprimer ? Je peux pas l'abandonner, celui-là. Trop bizarre. Sur la plage, j'ai parcouru l'épave d'une ancienne saison et une façon d'avertir le monde de l'arrivée de la prochaine. Le cycle continuera. J'espère avoir bien joué mon rôle. Allez, allume les lumières. Bonjour. Oula. Je t'aime. Oula. Glass. Tu parles mieux avant que je parle la tienne. Un problème. Ça, que faire? Que fait? C'est pour avertir les gens. Pour les gens? Je vais les allumer au coucher du soleil. Pour la nuit. Ah, pour nuit? Ah ah, je crois mal. Pas pour sport. J'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un zinzin de l'espace. Ah mais lui aussi, il a un livre. Je dessine la vie, tu vois. Je dessine la vie, tu vois. Et toi? Mon village est en sécurité. Village en sécurité. En sécurité. Me montrer? Me montrer? Tiens. Ah, arbre. Arbre. Joli arbre. Ah ouais. Moi aussi, j'ai je arbre. Bah oui. Bizarre, non? J'ai bizarre. Non. Les arbres pour public. Pour tout le monde. Ce sont les animaux de compagnie? Non. Je dis que je pars maison. Ma mère va pleurer au revoir. Toi, mère? Et dis donc, ma mère est forte. Ma mère, c'est la plus forte, ma mère. Ah, mon personnage fait des trucs. Ah, maman forte. Oh, le dérapage! Matin, je pars. Oh, le dérapage! Waouh! Je vais loin, loin. Bordel. Pourquoi toi qui étais maison? Putain. Oh, c'est triste, quoi. Il y a un rêve prophétique qui annonçait la fin de la saison, alors je suis parti enregistrer ce moment sur Terre pour qu'il soit réel pour les gens du futur. Il a rien compris. J'ai rien compris. J'ai pas compris. Elle est toujours là, avec son truc pété. Et toi, pourquoi tu as quitté la maison? Va te faire foutre. Tu feras gaffe un livre dans le torse. Putain. Regarde crabe maintenant. Regarde crabe, il y a sa main maintenant. Je vois, j'aime. J'aime. Je dessine. Ah quoi oui. Tu aimes. Quoi tu aimes? Quoi tu aimes? Les photos, les vaches, les singes. Voilà. Son. Putain. Jouer son. Tu joues son. Tu joues son. Ferme les yeux. J'ai juste envie de jouer le... Il est turbo éclaté, je suis au sol. Non mais... C'est tout ?
C'est un instrument que j'ai trouvé dans une vallée. Non. Créé par des gens morts depuis longtemps. C'est le vent qui en joue, qui hurle pour personne d'autre que moi. Bien. Ici. Trois sauts ensemble. Maintenant, amis. C'est triste que je partir. Je me rappelle une personne que j'ai rencontrée. Elle essaie de tirer un trait sur son passé. Mais... C'est irréel. Pour commencer une nouvelle vie dans un nouvel endroit. Qu'est-ce qu'il regarde là? Qu'est-ce qu'il regarde là? Nous pareil. Mais il sait prendre des photos aussi? Ça va pas du tout. Ça va pas. C'est lunaire, le type te reluque nos pressions. Non mais c'est horrible en vrai. Ah oui, du coup marée basse et du coup on peut aller activer le truc. Ok, d'accord. Putain, j'en reviens pas. Quel dérapage intégral quoi. Ah ouais, dommage. Ah si. Ah c'est horrible en vrai, c'est dommage parce que ce jeu était magnifique et là vraiment les deux dernières heures ont tout chié quoi. De l'autre côté du monde. Je me suis demandé si quelqu'un regardait. Je me suis demandé si quelqu'un se souvenait de la signification. Cette saison est terminée. Mon nouvel ami mettra les voiles demain matin. Il rentre à la maison. J'ai décidé de l'accompagner. Je ressens une grande peur et un grand soulagement en même temps. Je n'arrive pas à avoir les idées claires. Avant de naviguer vers l'inconnu, j'ai vérifié l'état de mon journal, de ma lettre à l'avenir. C'est le titre. J'ai pas envie de le revoir, ce maudit journal. T'as raison d'avoir peur avec lui, mais tu m'étonnes, ouais. Le gars, il est là. Oh, merde! Oh, c'était ça, le plan de... Bah heureusement qu'on a le talisman. Le souvenir que je perdrai est celui que nous sommes en train de créer. J'aimerais que tu le gardes pour toujours. Nous sommes ici. Ce sera ton dernier souvenir de la maison. Maintenant, les souvenirs perdus te protègent. C'était ça leur plan. Dans le motif à la surface de l'eau, j'ai senti le dieu de l'oubli me prendre dans ses bras. Et ça a marché ou pas? Une vague d'amnésie. C'est le jour zéro? Mais lorsqu'il a parlé, j'ai plutôt entendu la voix de ma mère. J'entre dans la prochaine saison avec l'esprit indemne. Mais qu'en est-il des autres? Ouais. Tous ceux qui n'ont pas de talisman, pas de voix maternelle qui chuchote à leur oreille. J'ai parcouru mon journal. Ce sera sans doute la seule trace de leur vie, de cette saison disparue. Je dois me souvenir pour eux. Je dois me souvenir pour tous. C'était une saison pour ramasser et laisser aller. Pour trier les rêves, les visions et les souvenirs.
alors qu'ils vont peut-être être emportés par les eaux. Je ne sais pas. Il y a deux minutes, on était copains comme cochons. C'est ça, tous les autres tu ont oublié. Je peux seulement te montrer ce qui a été perdu. En fait, j'imagine que ça aurait été dans l'autre sens. S'il avait... C'est une partie de l'histoire de notre monde. J'ai découvert que les mains grises prévoient détacher cette saison de son passé par une prière. Cette prière devrait être pour faire oublier les gens, pour effacer quelques-uns des souvenirs du monde. J'espère que ce que j'ai consigné à mon journal t'aidera à pénétrer le brouillard d'amnésie, pour comprendre de quelle façon la saison a changé. Bah c'est facile à comprendre. Je vais continuer à prendre la mesure du monde, même si je n'atteins jamais l'endroit à la gloire de l'art et des souvenirs. Peu importe d'où tu lis ceci, je t'offre mon journal et les vies qu'il contient. Si une seule chose fait son chemin de ces pages jusqu'au monde réel, fais en sorte que ce soit une phrase, quelques mots d'une voyageuse à vélo. Qui, à la fin de la soirée, s'est retournée pour te dire « Il n'est pas trop tard. » Voici comment quitter le foyer pour ma fille. Trouve un coin de terre sacrée. Étends-toi le dos contre le sol. Ferme les yeux. Ferme-toi complètement. Vois-tu pour toi-même? Tu vois pour les morts, pour les enfants à naître. Entends-tu pour toi-même? Tu entends pour les morts, pour les enfants à naître. Tes ancêtres sont ensevelis sous cette terre. Tous les vivants et tous les morts te soutiennent. Maintenant, relève-toi. Ils sont toujours là, n'est-ce pas? L'heure est venue d'avancer, de t'emmêler partout avec tous. Pour que la prochaine fois que tu t'étendras sur la terre, tu es beaucoup plus à leur raconter. Mélomane ou mélancolique, Alisten? En tout cas, c'est beau de se dire qu'effectivement, la lettre du futur est arrivée au bout. Bravo à Scavenger Studio pour leur jeu. Ce jeu a été conçu par des personnes suivantes. Des gens précieux qui sont dévoués pour lui donner vie. Nous sommes très reconnaissants des collaborations. C'est pourquoi cette liste de contributions est écrite par ordre alphabétique. J'ai envie de laisser les crédits, mais il est extrêmement tard, les viewers. Il faudrait que j'aille me coucher. On va les laisser, mais... Je vous avoue que... C'était dur. Scavenger Studio, ils ont fait un très bon taf, mais la fin a fait mal. La fin a fait très mal. En fait, c'est dommage parce qu'à la fin, j'étais vraiment fermé à toute nouveauté. Et ça a encore été un stream où on savait qu'il restait plus grand chose. C'est ça. Il manquait vraiment pas grand chose pour avoir aucun souci et pour se souvenir de ce jeu comme un jeu magnifique. Et là, bah... Une quête. Et on a perdu une heure et demie. Et pendant cette heure et demie, bah, tous les petits détails un peu agaçants qu'on avait rencontrés au cours du jeu qui sont totalement oubliables... Bah, sont devenus horribles. Le moindre caillou, la moindre incompréhension, le fait que la map soit pas indicative, qu'on soit pas guidé du tout. Bah, en fait, ça aurait pu être très bien fait, comme ça l'avait été fait dans Outer Wilds.
Et en fait, c'est la même conclusion, quoi. C'est l'absence de feedback qui rend le truc horrible, quoi. L'absence de dire... Il manque juste un personnage qui te dit un truc à un endroit, quoi. C'est con parce que j'ai l'impression que... J'ai pas grandi en tant que joueur depuis Outer Wilds. Du coup, parce que je refais la même entre guillemets la même erreur quoi finalement. Hein. Et c'est extrêmement frustrant. Voire extrêmement décevant en fait. Je sais pas en fait pour moi c'est j'ai du mal à me dire que je suis fautif dans cette histoire. J'ai vraiment l'impression que c'est une erreur de game design. Pour moi un personnage devrait pas avoir un état zéro, quoi. Surtout quand c'est un PNJ important. Et je sais que l'opposé inverse m'énerve beaucoup. Par exemple, les personnages qui se parlent à eux-mêmes, genre Aloy dans Horizon Zero Dawn qui dit « J'ai trouvé une plante, il faudrait que je fasse une potion. » Même si ça fait 500 fois qu'on ramasse la plante et 500 fois qu'on fait la potion. Ou les personnages de God of War qui te spoilent le puzzle avant même que tu aies eu le temps d'y réfléchir. Mais par contre, mettre une bulle au-dessus d'une tête d'un personnage à qui il reste un truc à faire, c'est pas anodin. Notamment là, bah, y avait la meuf dans la forêt qui nous disait « Va voir la veuve, elle a un truc à te dire. » Elle avait rien à nous dire. Il fallait parler à son armoire. Armoire qui pouvait afficher sur l'option de dialogue que si on la regardait dans le bon sens et du bon angle. Angle qui était un petit coin perdu dans lequel il fallait aller tout au fond et tourner à droite, bref. Je trouve que c'est plus un problème de narration environnementale. Là, c'est vraiment le problème. Enfin, en fait, le problème, c'était vraiment que cette quête était bloquante alors qu'on s'en battait les couilles en plus de ce qu'elle emportait dans sa valise. En fait, oui, tout le but du jeu, c'est de s'intéresser à cette saison qui est en train de passer. Mais normalement, le message du jeu, c'est aussi qu'on ne pourra pas tout enregistrer. Et là, on nous force à tout enregistrer et à comprendre par nous-mêmes qu'il ne faut surtout pas qu'on rate ce détail. Et c'est extrêmement décevant en fait. Et Outer Wilds m'avait fait la même chose. Le DLC m'avait fait la même chose. Quant à la fin, je n'avais pas compris que c'était fini. Même problème. Et pour moi, il manquait juste un élément de langage qui me disait hey, c'est par là. Un juste milieu doit être trouvé, il y a pléthore de façons pour aider discrètement le joueur sans le sortir de son immersion. Pour moi, typiquement là, ce problème-là, il était résolu avec une simple bulle au-dessus de la tête de la meuf. Et même pas de voice line enregistré, juste un texte qui marque « Il me reste encore des affaires à choisir ». Et là, ce qui se passe, c'est que on est en mode « Ok ». Il lui reste un truc, bon bah j'ai du mal fouiller, et on fouille. Plutôt que juste la meuf qui reste là en mode. Et c'est dommage parce que tant que l'enchantement durait, on lui pardonnait tout au jeu. On lui pardonnait tout. Il y a eu une page de mon journal qui a été effacée parce qu'il y a eu une mauvaise sauvegarde automatique à la fin du premier stream. Il y a eu les cailloux sur lesquels on s'est cogné et qu'on a trouvé ça marrant parce que bon c'est un jeu indé, machin, etc. Il y a eu plein de choses. Qu'on a pardonné. Et à la fin, vraiment, le jeu se pète la gueule, quoi. Et c'est trop dommage parce que vraiment, c'est un beau jeu. Et le gamin à vélo va me hanter cette nuit, je le sens. Demain matin, tu vas te réveiller, Einstein, il sera là, au bord de ton lit, comme ça, à te regarder. T'as pas fait ma quête. Et il va disparaître comme ça. Quelle horreur. Bref. Allez les viewers, je vais vous faire des bisous, il est beaucoup trop tard, on aura fait durer ce jeu plus que nécessaire et je suis un peu énervé. Bref, des bisous à vous, passez une bonne nuit et on se retrouvera jeudi pour Phoenix Wright. Ciao ciao.